Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Office 365. Aujourd'hui, nous allons voir une différence sur la gestion des documents entre OneDrive et SharePoint. Donc ici, je suis sur un site SharePoint, on le voit là-haut. Et je suis dans les documents et j'ai un document Excel. Si je sélectionne mon document, en haut, j'ai donc les différentes actions possibles sur ce document. Trois petits points pour avoir accès aux dernières applications de modification et je vois ici extraire chose que je n'ai pas dans OneDrive donc je suis dans OneDrive on voit ici j'ai pris aussi un document Excel je l'ai sélectionné je vois les actions possibles là-haut trois petits points et je vois que ça s'arrête à historique des versions et je ne vois pas extraire dans SharePoint la fonctionnalité extraire ça nous apporte quoi donc si je souhaite modifier un document sans que d'autres personnes puissent le modifier en même temps. Ça va rendre ce document en lecture seule pour toutes les autres personnes, donc à part la personne qui a extrait le document. Donc déjà, ça permet de modifier son document sans que d'autres personnes ne puissent le faire. Quand j'ai extrait. Et de plus, si quelqu'un vient visualiser le document alors qu'il est extrait et que je suis en train de le modifier, il ne verra que la version juste avant l'extraction. Il ne verra pas les modifications que je suis en train d'apporter. Donc, ce document, on va l'extraire. Donc, petite remarque si vous voyez ici, entre le nom du document et la colonne modifiée, il y, un espace, il y a un grand espace vide. Et quand je vais extraire mon document, ce que je viens de faire, si je le désélectionne, donc un message pour dire qu'il a été extrait. Vous voyez que à côté de modifier, il y a un rond rouge avec une flèche blanche qui est l'icône qui symbolise que ce document a été extrait et ne peut être modifié que par la personne qui a donc fait l'extraction et pas par d'autres personnes. Je vais me rendre dans mon document. Je vais par exemple rentrer un nom. Mon document est enregistré. Je ferme. Et dans peu de temps, modifier va passer à il y a quelques secondes. Voilà. Donc ce document a été modifié. Il est toujours en lecture seule. Et je souhaite peut-être passer ce document maintenant à nouveau, comme d'habitude, en modification pour tout le monde, avec les modifications que j'ai apportées. Pour cela, on va resélectionner mon document. Dans la barre des actions, je choisis les trois petits points. Et tout en bas, vous voyez archiver ou abandonner l'extraction. Donc si j'abandonne l'extraction, il va enlever bien sûr l'extraction. Mais de plus, il va enlever aussi les modifications que j'ai apportées. Sinon, si je souhaite donc, le remettre en modification euh, pour un travail collaboratif et euh, donc valider mes modifications, je fais archiver. Il me demande de rentrer un commentaire. Donc je mets mise à jour du planning par exemple. Je fais archiver pour valider. Voilà, un élément archivé, terminé. Je désélectionne mon document. Et vous voyez qu'il n'y a plus le rond rouge. En plus de cette fonctionnalité-là, extraire et archiver, vous avez vu que j'ai dû mettre un commentaire. Mon commentaire sert à quoi si je resélectionne mon document et je vais chercher dans les actions possibles l'historique des versions. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai un historique des versions avec le commentaire que j'ai mis juste avant, mise à jour du planning. Donc je sais quand il a été modifié, le numéro de version, par qui il a été modifié, la taille, qu'est-ce que la personne a apporté au document, chose que je n'ai pas dans OneDrive si je vais voir historique des documents. Des versions pardon je vois ici les numéros de version les dates de modification modifié par taille mais il n'y a aucun commentaire et donc si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme modification entre deux versions je suis obligé d'ouvrir chaque version or qu'ici je peux très vite voir grosse mise à jour création d'un tableau création d'un planning mise à jour d'un planning je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Office 365.